Pour moi? Non, mais de la visite. Le gérant est repassé pour réclamer votre loyer. Eh bien, tout à l'heure, en sortant. Ouais, et puis quand vous sortirez, ce sera tout à l'heure, en rentrant. Jeune homme, tu m'excuseras, hein, si je me suis permis de m'installer, mais... Mais monsieur l'inspecteur, j'ai rien à me reprocher. Moi, je suis innocent, je suis un honnête travailleur. Venez, voyez les ampoules que j'ai dans les mains. Mais si j'avais été vraiment un inspecteur, il est probable que tu serais arrivé à me semer. Non, je voulais seulement voir comment tu t'en tirerais. C'est pas trop mal. Une autre fois, la maison à double issue choisit la plus modeste. Hein? T'as pas confiance, hein? Eh, vous êtes drôle, vous entrez ici par effraction, ça n'inspire pas confiance. Cigarette? Non. C'est des anglaises. J'en ai pour un moment, mais toi, ton air, c'est comme chez toi. Comment ça? Eh oui, les temps sont devenus bien difficiles. La profession traverse une crise sérieuse. Et pourtant, toi et tes amis, vous avez failli réussir un joli petit coup. Il s'en est fallu d'un cheveu, mais c'est toujours le manque d'organisation qui fait tout foire. Et puis, vous autres, les Romains, vous ne manquez pas d'idées, mais vous travaillez en amateur. Insiste. Mais enfin, comment faut-il vous le dire? Je sais rien, moi. Je suis pas dans le coup. Ne me fatigue pas. Je suis un copain de Dante Cruciani, le gars qui vous a appris à travailler le coffre-fort. Demande-lui ce qu'il pense du Milanais. Bon, et après? Après, figure-toi que je suis venu spécialement de Milan pour te proposer un beau petit boulot. Pépère est bien payé. Très bien payé, même. Bon, moi, je vais vous dire. Si je me suis trompé de maison tout à l'heure, vous vous trompez d'adresse. Compris? Vous avez devant vous un homme qui a définitivement rompu avec un passé honteux et qui vit honnêtement de son travail, c'est clair? Le travail sur le chantier est terminé. Et maintenant, t'es chômeur. Bon, admettons. Et puis après, hein? Mon vrai métier, c'est pas d'être maçon. Autrefois, j'étais boxeur. J'ai repris le contact avec le monde du ring et je prépare ma rentrée. Ah. Enfin, réfléchis. Tu me trouveras demain soir à 7h au bar Niagara, celui qui est au coin de la rue. C'est ça, oui, sûrement. Demain, je passe la visite médicale pour le contrôle des réactions. Psst, psst, psst. Tu m'appelles? Psychophysiologique. Tenez, regardez la feuille de convocation. Bonne chance. T'auras qu'à lire la rubrique sportive. Une toute petite formalité, et bientôt Bayek et Giuseppe, dit la panthère, remonte sur le ring. Aïe! Allez, encore, encore, encore. Ah, vous pouvez toujours y aller. Bon, stop. Plus en forme que jamais, docteur. Allez tout droit jusqu'au mur, les bras tendus et en fermant les yeux. Il y a un gars qui t'attend depuis une demi-heure. Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mêle-toi de tes affaires, c'est un bon conseil. Ça va?
Décidément, vous êtes tous pareils, les Romains. Hein? Ce que j'exige avant tout, c'est la ponctualité, c'est clair? Parce que la toquante avait du retard. Ah. Boy! Mais tu n'en as pas de toquante. Si, celle du tram. Apporte-moi un autre Campari. Pour moi, comme d'habitude, tu mettras le tout sur mon compte. Hein? Déjà fait, monsieur a payé. Quoi? Oui, j'ai payé tout ton arriéré, ainsi d'ailleurs que le cahier. Le cahier? Quel cahier? Celui qui servait à inscrire l'arriéré. Hein? Tu connais Milan? Hein? Ben, ça dépend. C'est-à-dire que j'y suis jamais allé. Tant mieux. Voilà le Campari, et le comme d'habitude. Et un brave petit gars, hein? Le lait, c'est souverain pour se désintoxiquer du whisky. Il faut être sobre quand on boxe. Procédons par ordre. Tous les dimanches, il y a une voiture qui transporte la recette des paris sur les matchs de football à la banque de Crédit Mutuel Milanais. Le boulot, c'est de bloquer la voiture en question. Le convoyeur des fonds est dans la combine. Il nous laissera embarquer le fric sans faire d'histoire. Ah, c'est du sur-mesure. Pardon. Tout est prévu aux petits oignons. Tu me remets la moitié, tout le reste, je l'abandonne aux hommes. Seulement, je veux des gars qui soient de première. Hein. C'est normal. À Milan, il y a des champions. Seulement, il y a un petit ennui. C'est qu'ils sont tous plus ou moins à l'ombre. Bien sûr. Alors? Toi, t'en as sous la main? Si j'en ai, je comprends. Rien que des spécialistes. Si jamais je suis pris, je risque gros. Alors va t'asseoir et ne bouge plus. Tu vois, c'est déjà commencé. T'as trouvé du travail? Non, toujours pas. Pourtant, c'est pas faute de me démener. Mais ce qui est dit est dit. Demain, nous fêterons quand même les fiançailles. Ça va faire beaucoup de frais. Et il faut que ta situation avec ma sœur soit régularisée. Les gens te voient frapper tout le temps à notre porte, ça leur donne à penser. Je vends les aspirateurs, tu ne me fais jamais entrer. Et fiancez-vous, après tu pourras entrer à la maison. Oui, on se fiancera, pleure pas. Toi, le cavalier, bats les pattes, hein? Oh, regardez-les, comme ils sont charmants, comme ils vont bien ensemble. Ils sont attendrissants. Et nous sommes fiancés, non? Tu l'embrasseras après le mariage. Voilà du renfort! Je vous souhaite de tout cœur fortune, santé et bonheur. Avec tous mes hommages. Mais c'est la moindre des choses. Les invités. Et comment faire autrement? Ils seraient formalisés. Va. Et vous savez, elle m'a coûté 600 livres. Fleurs? Non, la contravention pour avoir piétiné la plate-bande. C'est trop gentil à vous. Je l'ai acheté, mon cadeau. Il fait chaud. Si vous voulez ôter la veste, faut pas vous gêner. Merci, c'est une bonne idée. Minute. L'accident est si vite arrivé. Confiance règne. Je vous demande de vous tenir, parce que ma sœur ne sait rien et ne doit rien savoir. Le passé, c'est le passé. Compris. Ah, voyons, c'est connu au catéchisme. Allez, votre permission. Là, permettez que je passe. Fais gaffe, on est dans le monde. Remets ta veste, tu te figures que t'étais opposable. Vous mais votre bonheur en cette glorieuse journée, adieu cavalier. Ah, oh, mais qui t'a invité, toi? J'aurais jamais cru ça. Il y a pas longtemps, toi et Mario, vous étiez à couteau tiré et voilà que... le trésor caché, la sœur est belle comme un astre. Quant au frère, c'est un vrai désastre. Mademoiselle, mettez-la au frais, on la boira entre amis après. Merci infiniment. C'est Carmela qui les a fait. Non, c'est moi, et de mes propres mains. Jeune homme, tu me la passes sur la bouteille. Buvons à la prochaine amnistie. Dites donc, les gars, ici, il y a un peu trop de chahut. Allons par là. Venez. Dis-moi, ma chérie, il y a longtemps que tu le prépares, ce trousseau. Je me suis mise dès 1942, je l'ai commencé, j'avais 4 ans. Ah. Et la porte, tu la fermes pas? Je peux pas, elle sert de table pour le buffet. Alors, les affaires, ça marche mal, hein? C'est la panne sèche. Comment tu le sais? Comment je le sais? J'ai appris par des indiscrétions que t'es tellement fauché que t'as même pas de quoi payer le curé qui doit te marier. Seulement moi, ma fiancée m'attendra, tandis que le jour où elle a appris que t'es qu'un crève, la faim, la tienne t'a laissé tomber. Qui te l'a dit? Bah, je l'ai appris par d'autres indiscrétions. Admettons qu'il y ait une part de vérité. Et après? La situation stable, nous la cherchons tous. Mais comme on dit chez nous, l'envie de travailler ne donne pas le salaire. Bon, accouche. Il y a un citoyen qui...
Un citoyen qui est venu exprès de Milan. Il proposait une petite opération au dénommé Pépé. Mais tu m'as saisi une combi de maison. Avec alibi, tout est calculé, tout est scientifique. Oh, l'ami, t'es un peu canulant avec tes scientifiques. Mais regardez-moi ça. Mais je me demande pourquoi je perds ma salive avec trois cocos pareils. Moi. Ah non, mais t'avoueras quand même. Mais regarde-moi un peu ce crétin, je viens lui offrir une montagne de fric et monsieur fait le sarcastique. Combien? Combien? C'est un coup à vous laisser dans les 4 millions à chacun, ça te suffit pas, non? C'est bien sûr. Michel, Mario, les invités vous attendent pour trinquer. Nous arrivons. Dis donc, il y a un invité qui a fauché l'ampoule des cabinets. Ah, ça fait rien. Alors, vous avez compris? Comme cette fois-ci, il s'agit d'une opération essentiellement motorisée, il nous faut un spécialiste de l'automobile, c'est évident, non? Un gars qui sache gonfler un moteur, truquer, camoufler, enfin qui tâte. C'est tout à fait ce que tu cherches, c'est un véritable artiste en mécanique. Ce type-là, tu lui donnes une 4 chevaux, il te la transforme en camion. Et ensuite, le camion, il te le transforme en moteur. Ah, pour être fort, il est fort, mais quand il commence à parler des histoires de famille, il n'y a plus moyen de l'arrêter. Mais sa femme l'a plaqué pour se mettre avec un certain Alfredo, qui tient une librairie. Alors, bon, qu'est-ce qui m'arrive? Ça fait que leur gosse, un jour, il est avec le père, un jour, avec la mère. Et depuis le temps, ils n'ont pas été fichus d'enlever les barbelés de la guerre. Ah, alors, tu viens, oui. Allez, cavalier en selle. Ah, le voilà. Il te l'avait bien dit, Papounet, qu'il était là, tu vois? Hé, hey, Dominico! Ouais? Combien tu le fais, ce gicleur d'Aprilia? 5 ans. Hé, ta sœur, je t'en donne 30. Tiens, mets-le dans le cabas, mon poulet joli. Qu'est-ce que c'est, papa, une Aprilia? C'est une Ardenne. D'abord, tu vois qu'elle est beaucoup plus petite. Et puis, l'Aprilia, elle a le cul... elle a le derrière plus pointu. Allons, bouge pas, tais-toi. Regarde ce qui remue dans l'herbe. Regarde. Oh, bon Dieu, regarde-moi ça. T'as vu? Oh, si seulement on avait emporté le fusil. Qu'est-ce que c'était, papa? Une alouette? Penses-tu, c'était une caille, oui. J'aurais pas cru que c'était si petit. Elle est pas si petite que ça. L'Ardenne est plus petite que l'Aprilia, comme l'alouette est plus petite que la caille. Tiens, pour bien te rappeler, souviens-toi que la caille est grosse comme une Aprilia. Alfredo dit que les petits oiseaux sont mignons et qu'on ne devrait pas les tuer. Oh, parce que les libraires, c'est des ignorants. D'après Alfredo, le hibou et la chouette aussi sont mignons. Oh, des animaux méchants, tu sais, comme Alfredo, mais lui, en plus, il est bête. Et Hugo, on te demande. Qui me demande? Des gentlemen de passage. Hugo Nardi, le magicien du moteur. L'honneur est pour moi. Oh, quel trésor. Regardez-moi ces yeux-là. Les tiens de son père. Et ses beaux cheveux frisés. Les tiens de son père. Ah, et cette grosse bosse au front. C'est un coup de pied. Ça, il le tient de sa mère. Va jouer, mon poulet. Ta peau de vache, elle commence par faire des faux papiers pour me l'enlever, et après elle le tabasse. C'est la vie. Mais peut-être que vous n'êtes pas au courant de ma situation matrimoniale. Si, je suis au courant. Eh bien sûr, à présent, tout le monde est au courant. Ça a l'air d'une blague. Tenez, pour vous dire, ma belle-mère, la mère de ma femme, cette emmerdeuse, avec qui croyez-vous qu'elle vive? Avec qui? Avec moi. Ma femme s'est taillée, mais ma belle-mère, c'est chez moi qu'elle vit. Ah, si seulement j'avais de quoi payer un bon avocat. Tu l'as, 4 briques, ça te suffirait pas pour ton avocat? On pourrait même s'adresser directement à la cour de Rome. Combien tu as dit? J'ai dit 4 millions. Clara, l'Escarletto! Hey. Aujourd'hui, c'est mon jour! J'ai le droit d'avoir le prix! Arrête-toi et laisse-le descendre ou je te... Sale garce, tu me le paieras cher! Je note ça aussi et je le vire son dossier! Je vais lui montrer, moi. Hé, hey, les gars, croisez les doigts, cette femme porte malheur. Attention, le voilà, redressez-vous, bombe le torse, toi. Plus en 500 000, plus en 500. Hugo Nardi, le magicien du moteur. Bonjour. Celui-là, c'est Angeletti Mario. Cet homme que vous voyez là, c'est Capanel, dit le cavalier. Comme ça, à première vue, il ne paye pas de mine. Mais sachez que sous ce front ridé, c'est l'intelligence du renard qui se dissimule. Bon, celui-là, c'est Ferribot, dit aussi le taciturne, du fait qu'il est laconique, mais les fois qu'il parle, tac, c'est toujours le mot de la situation. Il y a de la bière au frais, servez-vous. Tant va la bière à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Hein? Qu'est-ce que je vous disais? On étouffe un peu là-dedans. Oui, mais si on transpire, les murs ne transpirent pas. Ici, chacun garde ses mains dans ses poches et sa langue dans sa bouche. Bon, vous autres, vous savez déjà de quoi il s'agit. Mais ce que vous ne savez pas, c'est pourquoi le caissier des pronostics marche avec moi. Je le tiens par une gonzesse. Comme dit le proverbe, la femme, pour peu qu'elle soit jolie, dépasse le diable en fourberie. Eh oui, et elle a si bien empaqueté le caissier que c'est lui qui va lâcher le paquet.
Oh, c'est marrant, ça. Oh, elle est bonne, celle-là. Vous voyez. C'est drôle. C'est une petite cousine à moi. Une cousine, tu entends? Je vais vous la présenter. Elle est mon bras droit. Vous devez lui obéir, c'est clair? Clair. Oh. Elle fait du naturisme sur la terrasse. Elle risque pas de prendre froid, la pauvre petite? C'est vrai qu'avec la chaleur qu'il fait... Bon, toi, je te défends de la regarder. Ah! Floriane! Floriane! Oui? Vos amis sont là, je voudrais te les présenter. J'arrive. Hé, hé, là, vous deux, vous énervez pas. Oh! Demi-tour vers moi. Femme de tête, hein? C'est par ici que ça se passe. Vous n'avez jamais rien vu. Le vent se lève. T'en plains pas. Les cigarettes nouvelles. Tout ça, c'est bien beau, mais on voudrait bien les explications. Ah, parce que le mot Pépé était un petit peu imprécis. Moi? Moins imprécis que tu vas faire. Ben voilà, un certain dimanche, vous irez à Milan dans un beau train spécial avec les supporters allant au match Milan-Rome assister à la seconde journée du championnat. Mais moi, je suis supporter de Palerme. Et quelle importance? Le match, vous le verrez même pas. Il blaguait. Ouais. Mais excusez, le chose là, comment ça s'appelle? L'alibi, où il sera? Où il sera la Libye? La Libye sera dans le fait que vous rentrerez à Rome avec le train des supporters qui repartira de Milan juste pendant que vous serez en train de faire le hold-up. Comment est? Par un coup de baguette magique. Vous nous prenez pour des faquillons? Le coup de baguette magique, ce sera simplement le moteur mis au point par Nardi. Non, j'écoute. Avec le moteur en question, il vous faudra rattraper le train de supporters à Bologne. Et vous n'aurez qu'1h50. Avec le moteur tout seul? Peut-être qu'il faut le monter sur le dos de Capanel. Non, mais sérieusement, la bagnole, il en faudrait une, non? Tu vas acheter une voiture d'occasion. Fais-moi un devis, occupe-toi de ça tout de suite. Excusez-moi, mais un coup d'œil. Un petit coup d'œil sur les lieux du travail serait peut-être utile, non? Non, ça ne servirait à rien. Non, ça ne... Tout ce que vous devez savoir sur Milan, vous l'avez là, tout est prévu. Carte, plan, photographie, des points stratégiques. Tout a été minutieusement préparé et mis au point dans les moindres détails par moi et Amedeo. Enfin, le caissier qui doit nous filer le fric. Voici le plan sur lequel est dessiné le parcours que vous aurez à suivre. Et vous me suivez? Tout est là. Alors je vais vous montrer où se trouve. Voilà. C'est clair. Et du bon côté, ça sera encore plus clair. Voilà. Merci. Grâce à toute cette préparation, notre travail ne sera pas plus difficile que le jeu de loi. Pas vrai, Floriane? Franchement, j'ai jamais réussi à la pendre. C'est bête, mais moi, ces trucs-là, j'arrive pas à les comprendre. Bon, alors, suivez-moi bien. La voiture qui transporte les fonds part du siège du Paris Mutuel des Pronostics, ici, et suit chaque fois le même parcours. Elle emprunte obligatoirement le tunnel de la rue Ferrande. Vous, vous êtes à l'autre bout avec le camion, ici. Quand elle approche de la sortie, le camion tourne trop large de manière à bloquer la voiture. Comme vous pouvez le voir, c'est une opération d'une simplicité enfantine. À cette heure-là, le dimanche, il n'y a aucune circulation. Bon, vous sautez à terre, vous dites au caissier « à boule l'oseille » et il la boule. C'est bien ça, n'est-ce pas? Hé, hey, Floriane, c'est bien ça? Oui. Ah, autre chose, il faut que ce soit dit en dialecte milanais. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui le parle? Oui, moi j'ai été une fois à Bergame, disputé le titre régional. Ah, bon, je t'écoute, vas-y. « Uetti bergadeor a bergadeotta » Hein? C'est tout à fait ça, hein? On croirait pas que... Floriane, il va falloir que tu le prennes en main parce que sans ça... D'accord. Venez me trouver demain vers 11h, toi, car. Parce qu'à midi, très bien. Oh non, il faut que j'écrive une lettre. Venez à 7h du soir. Mais pourquoi ce caissier, si on lui parle pas milanais, il comprend pas ce qu'on lui c'est dit? C'est pas un crétin comme toi, lui. Ça va, pas d'histoire. Je suis crétin et fier de l'être puisque je viens de trouver mon maître. Je vais vous dire, la phrase en dialecte milanais est indispensable parce que... Ah, là, il y a de l'idée, hein? Elle est indispensable parce que si quelqu'un vous entend, il ne doit pas se douter que vous êtes romain. C'est juste. Ça fait partie de la Libye. Vous y êtes cette fois, oui. Ferme la fenêtre. C'est l'espèce de pescara, celui de 11h55. Ils vont l'électrifier, moi, pour ça. Du coup, le propriétaire va augmenter le loyer. Il m'a déjà prévenu. Tiens, Gauthier Personnage. Lequel? Tu parles d'un engin ?
C'est fini, il n'y a plus d'essence. Et combien t'en as mis? 5 litres seulement, il y a 4 carburateurs. Hey. Bon, très bien, la bagnole sera maquillée, mais nous, au moment du hold-up, on ne sera pas, alors n'importe qui pourra nous reconnaître. Ça aussi, c'est prévu, mon petit gars. Par les cornes de Satan, ben ça... Dacula le vampire. Ben moi, je le trouve plutôt mieux. Moi, je trouve que ça le flatterait plutôt. Oui. Votre propre mère ne vous reconnaîtrait pas comme ça. Vous pouvez être tranquille. Qu'est-ce que c'est? Demandez ma bonne bière fraîche. J'ai un peu changé de signalement, hein? Bon. Mais maintenant, récapitulons. Sur le camion, Pépé et Mario. Celle-là, ça sera Hugo. Et la troisième voiture, qui la conduira? Lui ou Capanel? Pilote en sommet tous les deux. Mais le meilleur, c'est Ferrybot. Mal. Qu'est-ce que ça serait si t'étais pas le meilleur? Je te l'ai dit, le pied sur le frein. Et alors, je l'ai mis, non? Non, c'est l'accélérateur, ça. Le frein, c'est la pédale du milieu, t'as compris? Au milieu, aïe, aïe, au milieu. Aïe, aïe. Faut que je te l'écrase, le pied, pour que tu le retiennes. Comme ça, on n'aura pas assez de pommes de terre. Oh, il a l'air mauvais, le gars. Il démarre plus, dépêche-toi, accélère, accélère, accélère. Doucement, attention au trottoir, les amortisseurs. Allez, là, le pied sur le frein, doucement, comme ça, débraye. Sinon, tu vas faire caler le moteur. Bien. Et maintenant, retire la clé de contact. Ça se retire pas. Ça, c'est la commande de la flèche. La clé, elle est là en dessous. Ah bon? Mais pourquoi on s'arrête? Attends-moi là. Dimanche, je peux pas, je vais à la chasse avec des amis. Et puis quoi, jour ou pas jour, je suis ton père. Tu vas pas me coller à un compteur, non? Tu vas à la chasse et tu m'emmènes pas? Parce que c'est dangereux, on chasse la grosse bête et puis tu restes toujours enfermé à lire. Qu'est-ce que tu lisais encore comme idiotie? Un joli livre, c'est La vie des insectes. La vie des insectes. La vie. Tu ferais mieux d'apprendre à les tuer avec toutes les punaises qui infestent la maison. Passe-moi le ballon. Alors, recommence encore une fois. Où est-il? Pas ton lait, jette la valisette, mauvais. Ouais. J'ai compris seulement valisette. Oh, j'ai l'impression que pour parler le dialecte milanais, il faut se mettre une patate brûlante dans la bouche. Excusez-moi, je voudrais pas être indiscret, mais pourquoi mangez-vous toujours les R? Oh, vous êtes fâché? Non, non. Ah, bon. Ça vient d'un bombardement. Je venais d'avoir 3 ans et les R, je savais pas encore les dire. Ça m'a fait une espèce de choc que j'ai pu faire de poguette. Oh, vous en faites pas, au fond, c'est une boutille. Ça s'entend à peine. D'ailleurs, moi aussi... Si, ça se remarque pas beaucoup, mais de temps en temps, j'accroche. En somme, je bute un peu sur les mots, voilà. Et j'ai remarqué que ça me prenait surtout quand je me trouvais auprès d'une belle fille. Eh oui, c'est ainsi. Voyez-vous, quand vient le crépuscule, je ressens une espèce d'angoisse de la solitude. Oui, je sens ma fragile existence se flétrir et mon cœur est comme envahi par une profonde nostalgie. Vous n'avez personne, pas de petite amie? Personne. J'en avais une, mais elle m'a plaqué. Qu'est-ce que vous voulez? La femme est comme l'eau de l'étang. Belle à la surface, mais perfide en dedans. Non, je parle pas pour vous, bien sûr. Il n'y a que c'est sous prétexte que j'avais pas de situation stable. Vous vous rendez compte? Même les gens qui ont un casier vierge ont du mal à en trouver une. Je t'en foutrais, situation stable. Elle va pas tarder à le regretter, hein. Avec mes 4 briques, je m'achète la bagnole américaine longue de 15 mètres, je me fais faire le smoking blanc et je vais me balader sous la fenêtre de sa baraque dans sa banlieue pourrie, comme ça. Ça lui fera les pieds, celle-là. Merci. Moi aussi, je vais changer de vie. Vous n'auriez pas du feu? Non. Amédéo, le caissier, m'a promis qu'aussitôt qu'on aura touché notre part de l'argent, je laisse tomber le boulot et il m'emmène au Venezuela ou à Mexico. Vous pouvez pas non plus prononcer les X? Mais non, on dit Mexico, pas Mexico. C'est les deux seuls pays où on peut se marier sans être divorcé. Quoi, il est marié? Oui, pour son malheur, avec une terrible mégère qui lui prend tout son pic. Ah, ce sont des choses qui arrivent, hein. Saloperie de truc. Et puis, merde, tiens, je fumerai pas. Dedans, vous avez dit que vous lâcheriez le boulot. Et vous êtes employé? Oui. Où ça? Dancing Arizona, striptease. Hein? Et feuilleuse. Oh. Détournez-vous, allez, reprenons. Oui, type, attends l'air, jette la valisette, mauvais. Oui, type, attends l'air, je jette la valigette. Je jette la valigette, mauvais.
Mais il n'y a pas moyen de changer ce mot-là. Mais ça ne voudrait plus rien dire. Ben oui, mais moi, facile. Je ne peux pas y arriver. Alors. Suivez les mouvements de mes lèvres, regardez. Mais comme ça, vous n'y arrivez jamais. C'est comme ça que j'y arriverai. Oh, restez tranquille, vous allez déformer mon tricot. Hein? Dis, comment c'est? Le striptease, le feuillage. Fais-moi voir un petit bout, quoi. Qu'est-ce que ça peut te faire, hein? Juste un petit bout. Attends, donne-moi ça. Allez, quoi. Et puis sans la musique, je sais pas. Et puis tu sais, Amédéo, en plus, il est poète. Les paroles de ma chanson, c'est lui qui les a écrites. Elles sont très spirituelles. Eh? Ah ben, je te crois. Oh, moi, mon tico, alors. Sans qu'elle s'en... Chante-la, moi, quoi. La 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 la. La 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 la. Tu sais, je l'aime bien, mon Amédéo. Ben, je comprends, t'as raison, t'as tout à fait raison, t'approuve entièrement. Tu m'es sympathique parce que tu me comprends, toi. Amédéo, je l'ai connu dans un café où il y avait la télévision. Au bout d'un moment, il m'a dit qu'il resterait jusqu'à la fin de l'émission et qu'après, il se suiciderait. Tiens, je connaissais pas ce coup-là. Et finalement, on est partis tous les deux manger une glace. Ben, ça valait mieux, non? Lui, une à la noisette et moi, une fève Melba. Mademoiselle, le téléphone! On demande à Milan! Si, c'est pas malheureux. Ah, choisis bien son moment, cet abruti. Mais où tu vas? Eh, viens, viens. Allô, allô, c'est toi, chérie? Bien sûr que je pense à toi. Justement, j'étais en train de parler de toi. Oui, t'inquiète pas, ce soir je pars et demain je serai à toi. Tout est parfaitement au point, chérie. Nous avons constitué une formation de 5 éléments de tout Pomeyon. Oui, oui, t'y es sur le volet. C'est ça. Ciao, amour, ciao. Demi-tour, plaque. Demi-tour, exécuté. Recommence. Voilà. OK. Ouais, bien. Très bien. Ah bah quoi, ça vous étonne? Ah, mes hommes, je le dis sans fausse modestie, je leur ferai faire des miracles. Alors, les billets pour le train de demain. Aller-retour, départ à 13h25 précise. C'est moi qui les garde. Les billets pour le match. Très bien. 10 000 de défraiement par tête de pipe. Des nylons pour vous mettre sur la tête. Une montre pour chacun de vous. Mouvement suisse. Marchons à l'heure de l'observatoire. C'est mille années. On voit qu'ils ont les moyens. Ils ont de l'argent là-haut. Bon, peut-être. Et alors, sur le plan de l'intelligence pure, ils peuvent toujours s'aligner avec nous. Hé, hey. Allez oublier une chose. T'as vu? Ça, c'est pour tenir en respect le chauffeur. Et qui devra s'en servir? Ben, toi, Bardi. Ah, parce qu'il faut aussi jouer du pétard. Oh, toi, la prochaine fois que tu viens me bourrer le mou en me proposant un travail de tourpeau, hein, tu sais ce que je te fais? De pas m'énerver. Déo, tu crois que tu me fais peur? Tu es comme une crêpe. Mon Dieu. Oh, mais ça va comme ça. Allez, ça va bien. Ce coup-là, je lui casse la gueule, hein. Mollo, mollo, toi. Mario doit être. Ah, je vais vous corriger tous. Je sollicite l'honneur de prendre sa place. J'ai les meilleures références. J'ai travaillé avec Armando la mitraillette. Vous en avez entendu parler, peut-être. Mais qu'est-ce que ça a à voir? C'est pas pour ça que je râlais. Oh, et puis, j'ai pas besoin de nourrice. Ça va, je le buterai s'il faut. Mais qu'est-ce qui vous prend? Ce flingue, il n'a pas de percuteur, c'est un flingue bidon. C'est juste pour faire peur aux gars. J'ai hâte de causer. T'as un autre boulot plus délicat. Venez voir, toi et Nardi. Venez là, tous les deux. Ça, c'est ta bagnole qui stationne ici. La tienne est de l'autre côté, à la sortie. Bon, alors, au moment opportun, vous mettez la pagaille en partant tous les deux en même temps. Toi, venant de par là, et toi, ben, où est ta bagnole? Ah, la voilà. Et toi, du côté opposé? Ah, bah, avec une boîte d'allumettes? Non, la voiture, je l'ai donnée au môme, sinon il voulait retourner chez la peau de vache. Allusion à la mère, épouse volage de monsieur. Oh, mais je m'en bats l'œil de vos histoires, on va pouvoir travailler sérieusement. Oui, non, oui, mais je travaille, j'ai très bien compris, tenez. Quoi? Quoi? Maître, vous avez vu? Voilà dans quel milieu on voudrait que je laisse vivre mais mon ça fils. Ça n'a rien de mal, on est en train de faire une répétition, c'est pour un accident. Eh oui, nous sommes tous experts de l'assurance. Je me présente. Martini. Rossi. Cantalou. Ah, venez, maître, je vous en prie. Attendez, madame. Hein? Nous sommes ici pour une conciliation. Parlons-en de conciliation. Mais qui sait? Qu'est-ce qu'il fait avec Clara, celui-là, hein? C'est l'avocat de la Suisse, dites. Carletto. Mon vieux. Carletto, taille-toi vite! Ah non, Carletto, viens avec maman. Carletto, et ne bouge pas! Vous porterez plainte pour rapt d'enfant. Clara, c'est parce que dimanche, je ne pourrai pas le garder parce que j'ai un empêchement. Voilà, alors j'ai interverti mon tour. Non, tu n'intervertiras pas, compris? Tu n'intervertiras pas, si je veux, tu ne m'en empêcheras pas. Vous voudrez voir ça. En présence de cet enfant dire des choses pareilles. Mais pourquoi on n'alternerait pas aussi la garde de ta mère? Tant que la bonne sainte vierge me donnera la force de vivre, je resterai avec mon Mais nous deux, nous ne sommes pas mariés, belle maman. On peut se séparer tout de suite, rien ne nous en empêche. Jamais, mon Hugo, chéri, jamais n'aurai le cœur d'abandonner mon gendre dans l'affliction. Quant à ta femme, je ne retournerai vivre avec elle pour rien au monde, car je suis catholique, apostolique, romaine, et le genre de vie que mène ta femme me fait rougir de honte. Ah oui, parce que tu approuves le genre de vie de cet individu et le genre de crasse ou garde qu'il fréquente. Et tu m'insultes devant témoin. Parfaitement. Ton cas, je vais son dossier. Ah non, maître, vous avez entendu, hein? Elle vous a traité de crasse ou garde. Bon, c'est,
Je note et je verse au dossier. Vous êtes 4 crassouillards. Et avec moi, ça fait 5. Mais pourquoi tu veux pas le croire? Voilà la lettre qu'il m'envoie, écoute. C'est adressé à Angeletti Mario. Cher monsieur, nous vous accusons réception de votre envoi de 300 capsules de jus santé beauté. Nous vous adressons sous ce pli 2 entrées pour le match Milan-Rome de dimanche, à Milan. Agréez nos salutations. Tiens, lis. Mais c'est malin, tu sais bien que je sais pas lire. Ah, j'oubliais, c'est pendant vrai. Que vous vous offrez des voyages, on nous coupe l'électricité et le gaz. Bon Dieu. Qu'est-ce que tu fais? C'est la sommation d'expulsion. N'empêche que ça a bien pris le coup de la lettre. Hein? J'ai bien envie d'emmener la cafetière. À Milan, ils ne savent sûrement pas faire le café. Hé, hey, où tu vas? Oh, Ferribot, tu m'as arraché mon bouton. Alors, je peux même pas lui parler. Nous sommes fiancés, non? Je t'autorise à lui parler, mais pas avec les mains. Hein? Carmela, tu peux me recoudre un bouton? Tu es fâché? Pardonne-moi, mais j'avais oublié que tu n'étais jamais allé à l'école. C'est pas faute à moi. Nous autres, nous sommes de la campagne. L'école était à 20 km. Il n'y a que les garçons qui pouvaient y aller. Et pourquoi? Parce que ça se fait pas qu'une fille aille en vélo. Mais j'ai appris à faire des bébés. Des bébés? Comment des bébés? Mais t'es folle? Des bébés au canevas, sur de la toile combrode. Mais qu'est-ce que t'avais donc compris? Tu n'aimerais pas en avoir? Des bébés pour de vrai, dans une maison où on serait chez nous? Avec quel argent? Celui des pronostics? Qui sait, peut-être. Hé, hey, Mario. Ah, oh, vous n'êtes pas encore marqué. Il était en train de me recoudre le bouton. C'est l'oreille que je vais t'arracher, misérable supporteur. Il monte tout seul depuis. Mon père, très parjure, tu m'as trompé. C'est comme ça que tu vas au match avec des bas de femme plein les poches. Et toi, cochon, qu'il savait, vous ne valez pas mieux l'un que l'autre. Parce qu'elle est bête. Elle est tout de suite tombée dans le piège. Mais dis-lui un peu pour qui ils sont, ces nylons. Eh non, dis-le lui. Mais ils sont pour toi. J'ai voulu te faire une surprise. Je commençais à en avoir assez de te voir avec ces bas de bonne sœur. Et toi, mon frère, tu me permettrais de mettre des bas transparents? Eh bien, le progrès, c'est le progrès. Oh, merci, mon mari, je suis... Ah, n'exagérons pas avec les sentiments, hein. Ah. Gueule un peu, toi aussi. Vive le roi. Rome vaincre à Milan. Rome vaincre à Milan. Pas la fille droite, non. Allez, gars. T'as vu le millionnaire? Imbécile, puisqu'on se connaît pas, tu peux pas la boucler un peu, non? Non, je connais pas, je le connais très bien, moi. Qu'est-ce que tu réponds? Il n'y a rien à faire avec celui-là. Nous vaincrons parce que nous sommes les meilleurs. Oui, quoi? Une voiture va venir vous chercher. Tout a été prévu. Tout marche selon les prévisions. Vous n'avez qu'à attendre là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi m'arrêtez-vous? Allons, Virgilio, tu oublies le portefeuille que tu as piqué à ce touriste suisse dans le rapide Milan. Allez, en... Ah non, mais monsieur le commissaire, il y a sûrement erreur. Monsieur le commissaire, ça ne peut pas être moi. C'est une erreur judiciaire, j'ai rien fait. Je vous le jure sur la tête de ma femme. Qu'est-ce que tu risques? Tu n'es pas marié? Ouais, je peux pas, j'ai perdu une chaussure. Assez discuté. Oh, dites des mocassins de ce prix-là, un peu d'humanité, quoi. Non seulement ça, mais vous vous rendez pas compte que demain matin, Hugo arrive avec la bagnole, le malheureux, et qu'il est au courant de rien? Mais enfin, réfléchissez, c'est comme si on était tombé sur une mine d'or. On n'a pas le droit d'abandonner, il faut qu'on continue la lutte. Il y a bien un rapide pour Rome qui part à 23h45, mais il faut payer un supplément. Ça te dérange pas de me laisser parler? Ou alors il y a un peu avant minuit qui arrive à 10h50. Ma mère m'en jamais au monde. Ah oui, ça aurait mieux valu, ah oui, alors. J'en ai plein le dos à la fin. Ben, j'en peux plus, vous entendez? Et c'est lui qui en a plein le dos. Cette saloperie de vie, là. Depuis que je suis dans le métier, j'en ai connu, hein, des minables et des cafouilleux.
Mais des comme ça, mais bon Dieu, comment faut-il vous le dire? Tout est calculé, tout est préparé, c'est scientifique. On est même débarrassé de ce requin de Milanais, vous comprenez pas qu'il aurait tout bouffé, ce fortiche, et que nous, on aurait eu que les miettes du gâteau, vous comprenez pas? Oh, parlons-en, un gars même pas capable de piquer un portefeuille, mais t'appelles ça un fortiche. À plus forte raison, voyons. Mais t'es marrant, toi, mais qu'est-ce que tu t'imagines? C'est bien la preuve que c'est pas le Milanais qui a monté le coup, quoi. Le malin, le champion, c'est le caissier. Mais faites-moi confiance, les gars. Et vous n'aurez pas à vous en reprendre. Eh, dites-moi, vous m'avez compris, quoi. C'est bien joli, mais on ne connaît pas Milan. Moi, j'y ai fait mon service militaire. Tu parles à l'époque de Jules César. Et puis ton caissier, sais-tu seulement où il est? C'est ça. Parce que vous croyez que moi, avant, j'avais pas pris mes précautions. Je suis pas né d'hier, moi. Et Floriana, qu'est-ce que vous en faites, alors? Vous n'avez pas compris que le cerveau de la bande, c'est elle? Bonsoir, messieurs. Ces messieurs ont certainement retenu une table. Chut. Je ne parle pas, dit dans son adresse pendant que tu y es. Bouge. C'est tout de même insensé. Ah non! Si ces messieurs veulent se donner la peine d'entrer. Et vous gênez pas, le cognac, vous le payez assez cher ici. Mais pour voir, il faut payer. C'est comme au poker. En scène, les Espagnols. Allez, Pedro et Carmen, grouillez-vous un peu. Les Espagnols, ils t'emmerdent. On est prêts depuis une demi-heure. En attendant, c'est à vous deux. Allez-y. Floriane. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, lève un peu le truc. Il y a le Milanais qui s'est fait arrêter. Il vient juste de descendre du train. Oh, le bougoudan, il s'est fait piquer. Pauvre de moi. Adieu, mon flic. Ben, je vois pas pourquoi il serait perdu. Est-ce que vous vous rendez compte que mon cousin m'a emprunté plus de 100 000 livres pour cette affaire? Ah, c'est toi qui finançais? Je te crois. J'ai pas envie de perdre tout cet argent. Alors l'affaire, faut la faire coûte que coûte. Ben, elle a raison. Eh oui. Seulement dites-moi, avec le caissier, ça va se goupiller comment? Oh, alors là, vous en faites pas. Tout à l'heure, il va venir me pendre et je lui expliquerai tout. Vous n'avez qu'à nous suivre sans vous faire voir. Et pourquoi sans nous faire voir? Parce que Amédéo était méfiant. En dehors de moi, il veut avoir de contact avec personne. Allez, maintenant, pâté, parce qu'il faut que je m'habille vite. Non, je t'en prie, te gêne pas pour nous. Bonsoir, mon Minet, comment ça va? Ah, j'arrive plus à fermer l'œil de la nuit. Dieu sait ce qu'elle nous réserve demain. Demain, tout ça, merveilleux. Voilà ce que dit l'horoscope. Journée pas pisse aux affaires, long voyage en vue. Je suis aussi angoissée qu'autrefois à la veille d'un examen. J'en peux plus. Et figure-toi que ma femme s'éteint les cheveux elle-même. Elle les a brûlés. Maintenant, ils sont jaunâtres. Alors, elle dit que c'est ma faute parce que je lui donne pas assez d'argent pour aller chez le coiffeur. Moi, bon, tiens que ça.
Pauvre mine jolie, te fais pas de mauvais sang. Tu verras que bientôt tous nos ennuis sont finis. Ah, on va se faire repérer si on reste tous les quatre. Vous deux allez nous attendre sur la place. Sur la place de quoi? Un Milan doit bien avoir une place quelconque. Est-ce que je sais, moi? Je me rappelle de mon temps, il y avait la place du Dôme. Bon. Eh bien, si elle y est encore, il n'y a qu'à se retrouver là. Allez vous planquer. Attends, toi, Féribaud, fais attention que Capanel ne fasse pas son coup habituel. Hein. Il rentre dans un restaurant, il s'empiffre et il ne paye pas. Allez, au boulot. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans ces gens-là? Moi, les Romains, je m'en suis toujours un peu méfié. C'est des feignants et des farceurs. C'est à cause d'eux qu'on paie tellement d'impôts. Ah, heureusement pour nous qu'il y a ton cousin Virgilio. Alors, en voilà un qui connaît son affaire. Pas vraiment chaud? Ah, bien sûr, oui. Amédéo, je voulais te dire. Je l'ai jugé immédiatement. Il a tout. Intelligence, décision, prudence. Si ce n'avait pas été lui, jamais je n'aurais marché. Tu veux une pastille? Non. Moi, si. Dès que je fume, j'ai les nerfs qui se détraquent. Mon ulcère à l'estomac, il m'est venu parce que je me suis fait trop de mauvaises. Regarde toutes ces étoiles dans le ciel. Choisis-nous-en une belle. Une qui nous porte bonheur. Tiens, celle-là. Celle qui est à droite de la grande ours. C'est l'étoile des amants. On dit qu'elle leur apporte bonheur et argent. Ah oui, oui. Elle te plaît, celle-là? Oh oui. Alors je te la donne. Mais si. Elle nous guidera vers l'Amérique du Sud. Le Honduras, le Nicaragua, le Mexique. Le Mexique? Eh oui, le Mexique. Tu as demandé le renseignement à tes collègues de l'orchestre sud-américain? Encore tu, son tchécoslovaque, Sophulik, le batteur qui est de Côme. Mais j'ai l'impression qu'on nous suit. Regarde. 5, 6, 4, 2, 1. Oh non, allons, c'est deux pommes neuves. Ah, Seigneur, j'arrive à avoir peur de tout. Je sens que je vais encore passer une de ces nuits. Bon, un somnifère, comme ça tu dois m'y avoir. 7 heures suffisent au coucou. 8 heures, ça n'est pas beaucoup. 9 heures, la coccinelle. Et 10 heures, la pucelle. Moi, ils me font 2 heures. 2, 3, 4. Allô, Joe. Eh ben, quoi, 5, 3. Allez, bonsoir. Ayez confiance, tout ira bien. L'avenir est à nous. 3. La paix est dans le sac, nous sommes parés. Amédéo est gonflé à bloc. Il a dit qu'il vous faisait entièrement confiance. Avec des gars comme nous, il peut y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te plaît pas? Non, non, chérie. C'est très bien comme ça. Ah, les gars, je joue sur le velours. Je me suis fabriqué un de ces petits alibis de première classe. Ce matin, le sous-signé est allé chasser la bécasse en compagnie de Domenico Storti di Santarelli. Eh ben, avec ça, t'es pas fauché. Hier soir, à 9h, j'étais couché, tout le monde a pu le constater. Et à 9h10, je filais par la fenêtre, j'embrayais et pied au plancher. À l'heure cuvelle. Bon, les gars, ouvrez grandes vos oreilles. Je vais vous récapituler le topo. Je vais commencer par toi. Tu vas te poster près du siège des pronostics et tu guettes leur voiture. À peine elle a démarré, tu la doubles et tu la précèdes. Et puis, tu prends le tunnel et nous sommes postés à l'autre bout à t'attendre. Attention, c'est ici qu'a lieu le carambolage. Toi, pendant ce temps-là, tu tournes à droite et tu t'arrêtes ici. Là, voilà, exactement là. Et tu nous attends bien peinard. Sans couper le contact surtout. Ah oui, parce que moi, l'essence, on me la donne à l'œil, hein? Ferrybot, à toi maintenant. À vos ordres. Quand tu entends boum, tu démarres immédiatement, mais mollo, en première. Tu te diriges vers moi, qui est le magot. Je saute à bord de ta bagnole et on se taille par là. Mario, pendant ce temps-là, saute de son camion dans la voiture de Hugo et vous filez par là. Vous m'avez bien saisi. Oui, oui. Hein? Et moi, qu'est-ce que je fais alors? Je compte pour du beurre, moi. Ah, je n'avais pas pensé à lui. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? Ça, c'est pas gentil. Bon, bah, te vexe pas. Pendant ce temps-là, tu feras le guet pour Ferrybot quand il fauchera la deuxième voiture. Et tu le feras aussi quand la voiture du caissier arrivera dans le tunnel. Comme signal, tu enlèveras ta casquette, c'est clair? Moi, avec Mario, il faut qu'on s'occupe de dégoter un camion. Bon, allez, maintenant, une dernière répétition. Allez, Hugo. Hugo. Oh! Hey! Ah, ça commence bien. Dis, j'ai pas dormi une seconde, j'ai passé la nuit à rouler. C'est pas le moment de dormir, hey! Moi, je te le dis. Bon, là, tu prends la première à droite et tu te fonces. Ehi, ma siete matti, le mica un garage. Oh, pensa se ci succede oggi. Vai via d'Amaro, dai via d'Amaro. Io ve lo darei nel grugno, il piede ve lo darei. È possibile che non la senti mai. E sta scritto qua. Vai a tutta forza.
espèce de voyou. Attends que je te rattrape. Là, fais attention. Sur toi, sur allez, toi. Allez, pousse, pousse encore. Pousse encore. Un peu. Là, là, ça y est, attention. Hé, hey, hey, là, hé hey. Bon voleur hey, là, hey. Hey. Il est 17h51. Hugo est devant l'immeuble des pronostics en train de guetter la sortie du caissier. Hey. 78, 79 et 80 millions. 80. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous dormez? Non, je... Voulez-vous signer, s'il vous plaît? Oui. 80 millions. Oui. Hé, hey, dites-vous, ça va être là, hein? La voiture est là, je descends, hein? J'arrive. C'est bien ça? Ça correspond bien au bourdon? Oui, oui, monsieur, tout est en ordre. Dépêchez-vous, parce qu'après la banque, ils ne sont pas contents. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas la vôtre, c'est la mienne. Oh, excusez-moi. Elles sont parées. Merci. Hé hey. Vous voyez pas que c'est défendu de stationner? Vous êtes juste sous le panneau, là. Oh, j'ai eu un coup de pompe, alors je me suis arrêté un instant pour récupérer un peu et... Voilà, voilà, je m'en vais tout de suite, monsieur l'agent. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous roulez sur le trottoir, maintenant? Excusez-moi, j'ai oublié de débloquer le volant. Au lieu de passer par le tunnel, pourquoi ne prendriez-vous pas par le viaduc? Ben, parce que ça rallonge. Mais c'est bien, mais ça vous évite trois feux rouges. Gardez-moi ça. Ça va être bientôt pire qu'un apple. Vous voyez, à s'écarter du droit chemin, on risque de se mettre dans le pétrin. Vous qui êtes poète, vous devriez le savoir. Main en l'air. Jette la valisette. Mou, minutes. Lance ton moteur. Moteur lancé. Donne les nylons. Ah oui, les nylons. Quoi? Je les ai oubliés à la maison. Oh. Mais j'ai deux mouchoirs. Tiens. Oh, avec ce gars-là, il n'y a rien à faire. Et en plus, il est sale.
y est. Une, deux, trois, quatre, cinq, six... Non, dix. Vas-y. Merde, parfois la vache. Je sais pas ce qui se passe. Le froid à main, un bougre d'idiot. Allez, vite. Attention. Mais qu'est-ce que tu fais? Managgia la zozza. Espèce d'imbécile, t'as jamais appris à conduire, mais non, c'est pas possible. Sauvez-vous. Mais pourquoi me sauver? Mais c'est quand même pas ma faute, mon fils, ils sont blessés tous les deux. C'est d'un coup mordu, ils nous ont tendu un piège. Mais venez, je... Aïe, oula, maman, je vais mourir. Managgia, managgia la zozza. Monsieur Médéo, qu'est-ce qui vous prend? Où courez-vous comme ça? Mais revenez, monsieur Médéo. Arrêtez, je vous en prie, arrêtez. Emmenez-moi, monsieur, pour l'amour du ciel. Vite, emmenez-moi au commissariat le plus proche. Au commissariat, certainement. Quel désastre, oh, grouille! Quand c'est par où il me dit de courir. Vous avez tout vu, hein? Je tenais bien ma droite. C'est vraiment pas ma faute, ils m'ont coupé la route. Vous voulez, où sommes-nous ici? Et bien, qui êtes-vous? Mais celui-là, d'où je il l'ai sort? Attrapé au vol. Le pognon! Non, la valise! Prenez l'argent, mais ayez pitié de moi! Mais personne t'a rien fait, mais justement, frappez-moi pas trop fort, mais frappez-moi, ne me laissez pas comme ça! Oh, Pépé, arrange-lui un peu le portrait à celui-là, toi qui es boxeur! Pépé! Mais Pépé, tu l'as laissé où? Je l'ai pas vu. Bon sang, on n'a plus de chef, qu'est-ce qu'on va devenir à présent? Aïe, aïe, aïe. Elle est vide? Elle est vide? Madonna Santa. Nom de Dieu. Oh. Mais combien il peut y avoir, hein? Je peux vous le dire, 80 millions. Mais frappez-moi, par pitié. Ta gueule. J'ai de la famille. Non, on s'en fout. Frappez-moi, sinon on va me mettre en prison. On s'en fout, je te dis. Je suis la femme perdue. Faut se dépêcher, la police doit déjà être après nous. Ne me laissez pas dans cette situation. Tu vas l'affirmer, oui. Mais dépêche-toi, Hugo, en voiture. Oui. Ah, dépêche-toi, l'alerte va être donnée. On va avoir la police de Milan derrière. Mais dépêche-toi. Vite, Hugo, t'es en bas dedans. Vite, ensuite. Frappez-moi, sommez-moi ou je vous dénonce. Je leur dirai que nous étions d'accord. Je vous dénoncerai. Oh, Seigneur. Hein, viens, mon lieutenant. Fiat, on se sent noir. Je prends bonne note. Compris. À vos ordres. Un hold-up. Une 1100 noire, immatriculée à Milan. 315-466. Elle vient de passer à l'instant. Ah, quoi, ils nous suivent? Non. T'en es bien sûr, oui. Je regarde bien, il y a personne. Hugo. Non, il y a personne. Faudrait trouver une planque. Ralenti. Freine. Fais demi-tour. Là. Allez, vite. Allons, vite. Perdons pas de temps. Mais tire. Dépêche-toi, Hugo. Oui. Ah, dépêche-toi. Allez, voilà. Allez, Péribote, bagne-toi. Ah, oh, c'était que ça. Vite, les voilà! Vite! Voilà les motards! Mais vous les entendez pas! Oh là, on les entend! Vite, allez en voiture! Allez, prends ça dans la bagnole! Allez, c'est en voiture! Mais grouille-toi donc! Ao, change la plaque! La plaque! Changement de plaque exécuté! Ralentis un peu.
Bon, ça va. J'espère seulement que je lui ai pas fait trop mal à cette espèce d'andouille de caissier. Qu'est-ce que ça peut te faire? Pense plutôt à Pépé. Le train qui va à Rome est parti il y a 8 minutes. Tel que je le connais, je suis bien tranquille qu'il a dû le prendre. Alors accélère. En mettant toute la sauce, on peut rattraper le train à Bologne. Ah oh! Mais il roupille, ma parole. C'est pas le moment, réveille-toi. Mets en marche tes fameux carburateurs supplémentaires. Allez, fonce, allez! Racontez-moi des histoires, autrement je m'endors. Parlez, criez, chantez. Que toi, je n'aimerai jamais que toi, toute ma vie. Et ta sœur. Ah oh, plus que 3 minutes. Eh, ça va passer au rouge. Qui ça? Lundi prochain, tiens. Ah, t'espères arriver à Rome tout seul? Qu'est-ce que ça peut te faire du moment qu'on attrape le train? Attention au départ, fermez les portières. Attention au départ. Vite, Capanel, on va le rater. Courez, allez, courez. Je cours. Pour un peu, on manquait le train à cause du café qu'on a été prendre au buffet de la gare. C'est de ta faute. Comment, mais quel café? On n'a pas. Mais ils m'ont abandonné. Ils m'ont laissé tout seul, ces 4 salauds. Où est-il? Les mains en l'air. Oh, les dégonflés. Ils sont tous barrés. Je me suis mis à courir pendant des heures. J'ai couru pendant des heures. Je suis planqué dans la cave d'un immeuble, là où ils mettent les ordures. Tu parles, s'ils sont dégoûtants, les Milanais. Ils balancent leur saloperie dans un trou et moi dessous, j'ai tout pris. Bon Dieu, c'est ce que j'ai dégusté. 5 heures, je suis resté avec les immondices et les rats qui grouillaient. Mon Dieu, quelle journée! Oh. Dis, quelles sont les nouvelles? Qu'est-ce qu'ils ont dit à la radio? Quoi, tu sais pas qu'on attend Spotter à Médéo à l'hôpital? Pourquoi? Bah, avec la bosse qu'il a, il a une tête comme un martien. Ah. Je suis allé le voir, il m'a crié. Tu me dégoûtes! Je veux plus jamais te voir, je n'aime que ma femme, fous le camp. J'ai peur qu'il soit devenu fou. Mais pourquoi? Il a une bosse sur la tête. Mais comment pourquoi? C'est les autres qui lui ont tapé dessus quand ils ont pris la valise avec les 80 millions. Oh, le pauvre garçon. Quoi? 80 millions? Oh, Floriane, mais alors ça a marché? Forcément, tiens, c'était fatal. J'avais mis au point un mécanisme aussi précis qu'un chronomètre. La preuve, il a fonctionné seul, pour ainsi dire, sans moi. Oh, Floriane, mais c'est formidable. Nous avons mis dans le mille. Nous sommes les caïdes. Tu te rends compte? On va avoir... Oh, la mer. On va avoir une montagne de grand format avec dessus le profil du Dante en filigrane. Oh, Floriane. Ne touche pas, tu sens la poubelle. Attends, je vais d'abord te préparer un bon bain. Après, on verra. Porteur, monsieur. Non. Mais il y en a du monde. Qui peut bien être? Ah, oh. J'ai fait le train de long en large, Pépé y est pas. Ben alors, oh, qu'est-ce c'était qu'on fait? Trop beau, ça avait marché comme sur des roulettes. Et voilà que maintenant, Pépé s'est fait arrêter. Et nous, si ça continue, on va se faire piquer aussi. En tout cas, la valise, moi, je me balade pas avec. Ça sent mauvais. Mettons-la à la consigne et on la reprendra plus tard. Non? Idée simple, mais géniale. Oui. La sauvage agression de la rue Ferrante à Porti.
Une grosse indemnité au caissier des pronostics blessés par les bandits. Ah, il est chouette, le héros. La victime du doigt. Ce salaud, ce faucheton. Je t'en foutrais les indemnités. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? L'important, c'est que celui-là, au moins, n'a pas parlé et vous devriez au contraire le remercier. C'est Pépé que j'ai peur, moi. Où est-il, celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, mais sur le journal, en tout cas, on en parle. Ah, parce que tu te figures que s'ils l'ont piqué, ils vont le mettre sur le journal. S'ils le cuisinent à fond, tu m'as compris. Dans les pires épreuves, Pépé ne parlera pas. Il est d'une fibre forte, inébranlable. Mais tu l'as jamais vu sur le ring. À la première pêche, il se couchait et il ne se relevait qu'au vestiaire. Il parlera, c'est moi qui vous le dis. Il nous donnera à tous ses courus. Et alors, qu'est-ce que tu veux y faire? Qui c'est? Police! Ouvrez! Regardez-moi ça, je te foutrai. Mon salaud. Dégoûtant, voyou. Et il est content de lui, pauvre type. Ah, je vous ai flanqué une belle pétoche, hein. Vous n'êtes vraiment pas beau à voir. Allez, viens à la sauterelle, amène-toi. Salut les enfants! Vous en faites des gueules. Ah, t'es malin, voilà le cavalier qui vit des étriers à présent. Ah, c'est pas des plaisanteries à faire à un homme de mon âge. Par-dessus le marché, je suis un jeune puis dix mois. Allons, allons, qu'est-ce qu'il y a à sourire, papa? Allons, allons. Allez, attention. Ce verre de vin, je le porte haut à la santé de Pépé le héros. Je lève mon verre, bande de couillons, à la santé de nos jolis petits millions. Et moi, je lève ce verre plein de bonnes vignes à notre beau bulletin de conseil. À propos, les enfants, faudrait peut-être qu'on pense à... À récupérer notre valise et le pognon. Bravo. Beauté. Oh, fais bien. Attention au sud de la consigne. Attention, les gars, l'impasse. Demain commence une vie nouvelle. Je vais au syndicat des avocats et je demande qu'on m'indique le plus fortiche de tous. Maître, combien voulez-vous? 1 million, 2 millions, 3 millions, pourvu que vous veniez à bout de la peau de vache. Ah, mais au fait, il nous revient combien à chacun? À propos, combien ça fait 80 millions divisé par 6? Ça doit faire... 6 dans 80, il y va... Comment il y va? Et ça y va drôlement. C'est pas difficile, tu poses un peu de 2. Et tu mets le 2 à droite. Eh non, à gauche. C'est bien ce que je disais. Rien, rien. Vous voyez bien, on ne parle plus de rien. Évidemment, avec la fin qu'on leur a faite, ils s'imaginent que les gars du hold-up, ils ont filé vers la Suisse. Tenez, vous voyez absolument rien. Khrouchtchev tend la main tout en clignant de l'œil. Bébé ne pense qu'à son bébé. Ils savent plus quoi mettre. Ce sont des Romains et non des Milanais. Le discours du sénateur Moreau. Augmentation des tarifs téléphoniques. Mais rien, pas clair, cet idiot-là. Ce sont des Romains et non des Milanais. Mais dis donc en dessous. Tiens. Le chauffeur de la camionnette attaquée a déclaré hier soir qu'il avait entendu distinctement l'exclamation suivante typiquement romaine. Hai, hula managia la zozza. Par un des agresseurs, un homme de haute taille, brun, mince, sans barbe ni moustache. Les recherches de la police se portent donc vers la capitale. Oh non. Ah, on est repérés, les gars. Ah, on va fermer donc la fenêtre. Qui suis-je? Voilà. Le tour est joué. Alors, regarde-moi un peu. Ça change, hein? T'en as mis un peu tout. Toi. Qui est là? Une amie. Allez, va, entre. Et pourquoi tu changes ta voix? Et pourquoi t'as changé la tienne? Écoute, Pépé, ça va mal, très mal pour nous. Ils mettent sur le journal qu'un des types du hold-up de Milan portait une culotte de cavalier. Non, c'est bien, Dieu, c'est de l'inconscience. C'est forcé que tu te fasses repérer à te balader comme ça. Tu as bien besoin à ton âge de faire le gandin, hein. Tu peux pas être sérieux, non? Attends-moi là, j'ai peut-être une idée. Allez, amène-toi. Et tiens, tu vas mettre ça. Et puis disparaître. Et surtout que personne ne nous voit ensemble. Non, t'as compris? On ne nous a jamais vus ensemble. On n'a jamais été ensemble. Et boucle-la. Boucle-la pour l'amour du ciel. Il est déchiré ton pantalon. Il faut que j'aille avec un trou. S'il n'était pas, tu crois que je te le donnerais, bougre d'âne? Et alors, tu sais pas faire autre chose que des œufs? Ah bah, comme cuisinière, t'es championne, quoi. Ah, laisse tomber ça. Ta mission dans la vie est différente. Un des agresseurs avait les cheveux frisés, très noirs, coiffé en arrière sans raies. Michel, t'es prêt? J'arrive.
Avec cette chaleur, j'ai fait un assaisonnement très léger. De gousses d'ail, chorizo, poivron rouge, filet d'anchois, sardines. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Ben, c'est une coiffure qui fait un peu plus juvénile, un peu plus fringant. En tout cas, fringant, vous ne l'êtes guère. Ni toi, ni lui. Je vous trouve bien sombre. Sombre? Je suis pas sombre. Qui est là? Police! C'est un de nos copains qui aime bien faire des plaisanteries. Oh, ça va, Pépé, je t'ai reconnu. Nicosia, Michel. Ah, et voilà aussi Angelette et Mario. Comme ça, on fait d'une pierre mais deux. Mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? En t'expliquant au commissariat. Ah, allez, ouste. Ne t'inquiète pas, Carmela, ce n'est rien. C'est sûrement au sujet de la demande qu'on a déposée pour notre permis de pêche. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, je suis allez, un honnête avance, citoyen, moi j'ai rien histoire à m'approcher. Ce sont des procédés absolument antidémocratiques. C'est ça, pour l'affaire du hold-up de Milan. Là, à droite, salle numéro 6. Le hold-up? Mais quel hold-up? Tu l'as je vous ai déjà dit que je savais rien. Oh, je vous jure. Salut, Pépé, on attend l'aide plus c'est quand même marrant que chaque fois qu'un truand fait un coup quelque part, c'est à nous qu'on cherche des poux dans la tête. T'as vu ça? Ils parlent de tout dans le journal sauf de l'amnistie. Alors moi, mon frangin, je sais toujours pas quand il sort. Et j'ai toute la famille sur les bras. Du coup, je suis obligé de travailler. Tiens, t'es sorti? Oui. Petit aller-retour. Ça te regarde? Tu verras ce que je te dis. Alors, comment ça a été? Je suis qu'à moitié content. On est relâché, mais à la disposition. Ah ben, en attendant. Oh, saleté. Ils nous ont tous piqués, excepté l'ami Hugo. Il est passé à travers. Et Cabanel, tu l'as vu? Il est à côté. Il y a un inspecteur de Milan qui est venu tout spécialement à y mettre le paquet. Oh. Mais, ça vous intéresse? Oh. Mario. Merci. Et à ton âge, tu fais le voyage de Milan rien que pour voir un match de football. Ben, si je suis resté jeune, c'est parce que je suis sportif. Il y a un sport que tu affectionnes particulièrement, c'est la gastronomie, hein. Tu fais un gueuleton dans un bon restaurant, et puis quand arrive l'addition, tu n'as plus un sou pour payer. Tu n'as jamais eu que 11 condamnations pour grivellerie. Eh bien, dans ces eaux-là. Par contre, pour aller à Milan, tu as trouvé de l'argent. Eh bien, c'est justement, vous l'avez dit, monsieur l'inspecteur, je l'ai trouvé par terre. Et sur une pelouse. Mais ça arrive. Bon, pour l'instant, tu peux t'en aller. Oh, c'est très aimable à vous. Je vous salue bien. Alors, Domenico Storti, tu peux me dire où tu étais dimanche? Ah, demandez-le donc au chanoine Bédonnier. Il vous dira que dimanche, j'étais à la première communion de ma nièce. Dès qu'il y a un enterrement ou une première communion, tu y vas. Tu es très croyant. Moi, oui. Et si vous l'étiez, vous aussi, vous croyez ce que je vous dis. Baiocchi Giuseppe, ex-boxeur. Moi, ce dimanche-là, je me trouvais à Milan pour assister au match du même nom, naturellement, comme supporter de Rome. Inspecteur, avec celui-ci, ça fait le 12e repris de justice qui est allé au match. Inspecteur, si je peux me permettre une petite remarque, on n'était que 12. Bah, sur plusieurs milliers de supporters romains, c'est un pourcentage dérisoire. Chez les Milanais, il doit être beaucoup plus élevé. Ainsi, tu étais à Milan. Allez, si j'étais à Milan, comment que j'y étais, monsieur l'inspecteur? Tenez, voilà la preuve. Billet pour le stade, voyez, pardon. Billet de chemin de fer, aller-retour, Rome-Milan, tout est régulier. Et tu as vu le match en entier? Comment? Si je l'ai vu en entier? Mais quelle question! J'allais pas partir avant la fin, non? Ah oui. Alors dis-moi donc ce qui s'est passé à la 41e minute de la seconde mi-temps. Et à ce moment précis, El Tapini dit le bazooka, venant de recevoir le ballon sur une tête énergique de Danova, faisait une feinte qui déroutait Bernardini et dribblant dans un style éblouissant qui surprenait l'arrière, shootait en ciseaux juste au milieu des bois. Rien à faire, même pour le vigilant Panetti. Arbitre? Arbitre,
Arbitre impartial mais irascible. Ettore Barala de Livourne. 75 000 spectateurs dans le stade. Et quoi qu'on ait pu craindre la pluie durant la première mi-temps, le soleil par la suite dissipa les nuages et la vente des bouteilles de soda dépassa toutes les prévisions. Tu as une bonne mémoire. Non, mais c'est pas que j'ai une bonne mémoire, c'est surtout parce que j'étais là, quoi. Ça suffit comme ça. Ah, allez, vous ne croyez pas? Merci. Salut. C'est tout de même curieux. Ils sont quatre avec ce gars-là à avoir conservé soigneusement leurs billets de stade et de chemin de fer. Et en plus, ils ont des témoins qui les ont vus dans le train. C'est pas trop. Je m'excuse, mais on a vu les bandits se diriger vers la frontière suisse. Suivant. Ah, je ne vois pas comment ils auraient pu être dans le train. Oui, d'accord, d'accord. N'empêche que j'aimerais qu'on surveille de près les quatre zèbres en question. Allez, avancez, avancez. À ce bureau-là. Cesdioniotilo, innocent. Oui, oui, mais ne quittez pas. Monsieur Hugo, au téléphone. Qui c'est? Il t'a pas dit qui c'est? Voilà, j'écoute. Pantera magicien, je passe message et je coupe. Alors tu ne me dis rien? Non, si, minute. Secteur, bon sang de saloperie, secteur exposé, terrain découvert, ennemi tir à vue. Et entendu Storti Domenico déclarer qu'il se trouvait dimanche à la communion de Nièce Betty. Donc chasse annulée, alibi nouveau à trouver. À trouver? Comment faire? Cherchez nouveau auprès personne sans casier et de confiance, quitte à payer s'il faut, si besoin, fric, vendre bagnole, stop. Message terre. Vendre quoi? Vendre la bagnole? Terminé. C'est qu'ils l'ont reprise, la voiture, parce que le Milanais avait versé seulement un acompte. Allô? Allô? Au revoir, chérie, à ce soir. Oh, Santa Madonna. Hé, la tasse! Monsieur Hugo! Et la tasse, alors! Quel dingue, celui-là! T'es... D'où est-ce que tu sors? Il faut que je te parle d'homme à homme. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Alfredo. Dimanche, je suis resté avec toi toute la journée. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, pour l'amour du ciel, ne pose pas de questions. Ils m'en poseront assez comme ça à la police. Alfredo, je suis un homme, tu es un homme. Oui, ça va, j'ai compris. Nous sommes des hommes. Enfin, il y en a d'autres sur la Terre. Pourquoi me choisir moi, justement? Ah, pourquoi? Parce que tu as un casier vierge. Tu es le seul de tous mes amis qui n'ait jamais eu de condamnation. Tu es honnête, tu es un homme. Je sais, tu l'as déjà dit. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que t'es une femme? Mais qu'est-ce que j'ai fait, au bon Dieu? Où elle sort, celle-là? Où je l'ai prise, ça, si je savais? Dimanche, je suis allé au musée étrusque, figure-toi. Ah! À qui tu feras croire qu'un type comme toi va dans les musées? Mais s'il me prenait l'envie d'y aller, j'ai bien le droit de m'instruire, comme les autres, et l'entrée est libre. Bon, alors en échange, je vais te demander une faveur. Naturellement, demande, tu penses bien à tout ce que tu voudras. Il s'agit de Carletto. Qu'est-ce qu'il a à voir, Carletto? Ne te mets pas dans cet état. Écoute, Carletto est intelligent, sensible, et il aurait besoin d'une éducation convenable. C'est pourquoi je te demande de me le laisser tous les dimanches. Tous les dimanches? Et je pourrais lui apprendre des tas de choses, l'emmener au musée. Au palais des expositions, il y a des dentelles anciennes, au musée Vetti, les bijoux d'Extrême-Orient, au palais de Venise, des poupées, etc. Comment dentelles, bijoux, poupées? Mais dis tout de suite que de mon gosse, tu veux en faire une... Hein? Tu vois comme tu es vulgaire? Comment quelqu'un comme toi peut-il l'élever? De toute manière, c'est à prendre ou à laisser. Dis-moi la vérité. Quoi? Eh bien, Carletto, c'est mon fils ou bien... Tu vois, si j'étais un salaud comme toi, je te laisserais avec tes suppositions idiotes et je te dirais même qu'il est mon fils, tu le mériterais. Allez, fiche-moi le camp. Très bien. Comme tu voudras. Promets de le voir des dentelles. Ça vaudra toujours mieux que d'aller voir son père en prison. Hugo, eh bien, qu'est-ce qui te prend? Il n'y a pas de quoi pleurer. Enfin, t'es un homme, oui. Allez, te conduis pas comme une femmelette. Père, tu as emporté aussi la petite cuillère. Je suis innocent, je le jure. Non, je suis innocent. Je suis victime d'une accidence. Non. Pas la torture, non, je vous en supplie, ne me torturez pas. Carmela, qu'est-ce qu'il y a? Melon blanc et conscience noire,
font de la nuit un purgatoire. Ce que tu peux être têtu, puisque je te dis que je suis victime d'une erreur judiciaire. Une erreur, tu entends, une coïncidence à cause de notre voyage à Milan. Mais tout est arrangé, je te le jure. Jure sur les cendres de notre mère. Je te défends de mêler les choses sacrées aux profanes. Je suis ton frère aîné, Carmela, tu dois me croire. Je suis vêtu de probité candide et j'ai l'âme sereine. Et où tu vas? C'est le robinet. Traître. Alors, vous allez me donner un peu de ces poireaux en salade, là. Et une portion d'éperlan. Et puis, vous me donnerez des cornichons. Et aussi une portion de ça. Bon, alors après, vous me donnerez une portion, deux portions de ce petit truc-là. Oui, deux portions. Bon, ensuite, vous me donnerez de ça. Oui, non. Et puis, vous me donnerez un petit peu de ce machin-là. Et puis, de celui-là. Ensuite, vous me donnerez cinq bananes. Et puis, vous me donnerez... Qu'est-ce qui se passe? La police est venue perquisitionner chez vous. Ils sont repartis. Viens, on va aller voir. Carmela a failli se trouver mal. Pauvre petite, elle était blanche comme un linceau. Vous vous rendez compte? Oui, je ne comprends pas si peu. Des braves gens comme eux, si c'est pas une. Tu crois qu'ils auront trouvé quelque chose? Trouvé quoi? Des reçus du monde piété? Carmela! Dis donc, faut aller prévenir Pépé. S'ils vont chez lui et trouvent les bulletins de consigne, bonsoir les gars. Oui, oui, après. Carmela! Carmela! Mais rentre! Elle n'est pas là. Une lettre. Mais elle ne s'est pas écrite. C'est pour ça qu'elle a fait un dessin, regarde. De cochon, ça c'est nous. Et le train. Mon Dieu, mais où est-ce qu'elle est allée? Se jeter sous un train. Toi, file tout de suite chez Pépé. Si jamais les flics y arrivent avant, c'est la tragédie des films. Vas-y, toi, je m'en fous de Pépé. Moi, je veux rattraper Carmela. Amène-toi! Comment, Sicile? Mais je vais pas en Sicile, moi. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce train? Je veux retourner dans mon pays. Avec ça, mais j'emmène un wagon à 100 mètres d'ici, à l'usine. Mais lâche-moi! Va-t'en! Amenez-la à l'asile, cette fois. Oh, la gueule, Carmela! Carmela! Où vas-tu? Carmela! Je t'entends t'arrêter! Laissez-moi, je suis déshonorée, je veux retourner en Sicile et finir ma vie au couvent. Allons, calme-toi. Tu vis, père, et tu as osé jurer sur les cendres de notre mère. Non, j'ai pas juré. Rappelle-toi. Alors c'était donc vrai. Vous êtes des voleurs. Carmela, c'est ton frère aîné qui te parle. Il t'ordonne de rentrer immédiatement. Non, je suis majeure. J'ai 18 ans révolus. Jamais de la vie. La femme n'est majeure qu'à 28 ans. Inspecteur, il n'y a rien. Rien, il n'y a rien. Alors? Rien. Et toutes ces affaires, c'était qui? C'est à une malheureuse, une rien du tout. Une pauvre fille, une désaxée. Et qui voulez-vous qui reste avec moi? Moi qui ne suis qu'un misérable travailleur sans travail, un déchet social. Je sais bien, inspecteur, que vous ne faites que votre devoir. Je le comprends très bien, mais je suis un travailleur, un malheureux, un déshérité, un esclave. Je ne sais rien, inspecteur, je ne sais rien. Vous comprenez? Au revoir. Merci, hein. Je vous salue bien, mais je vous jure que je ne sais rien. Allez, au revoir. Qu'est-ce qu'il voulait? Oh, Floriana, si tu te mets aussi à me faire peur, je vais crever. Ils ont trouvé quelque chose. Rien, rien. Qu'est-ce que tu veux qu'ils trouvent ici? Oh, j'oubliais le reçu. La consigne de la valise. Comment ça se fait qu'il ne l'ait pas trouvé? Où est-ce que j'ai bien pu le mettre? Pépé, pourquoi on partirait pas? Pourquoi on n'y est pas à Mexico? Pourquoi ces gens-là sont rien pour toi? Il y a qu'à prendre la valise, garder tout le fric pour nous et partir pour Mexico. Il manquait plus que ça. Ouais, toi et ton Mexique. Mais où est-ce que j'ai pu le foirer? Qu'est-ce que tu cherches? Le bulletin de consigne. Porca miseria, je l'ai laissé dans la culotte que j'ai donnée à Capanel. Au nom d'un chien, et s'il le perdait? Et s'il se faisait piquer? Alors? Alors quoi? Alors, on y va, Mexique? Oh, Floriana, mais fichu idiote que tu es, tu ne comprends donc pas que j'ai la police aux fesses qui viennent de perquisitionner, que j'ai perdu le reçu, que je risque d'écoper de 20 ans? Et c'est le moment que tu choisis pour m'emmerder avec ton Mexico? Mais vas-y à Mexico, qu'est-ce que t'attends? Va à Mexico, va à Milan, va à la morgue, mais fous-moi le camp! Tiens! Oh! Ah! Oh, mais qu'est-ce que tu t'imagines, ces manières-là, tu sais? J'aime pas ça. Merde, alors. Je vais te l'apprendre, moi, l'éducation. Et quand je reviendrai tout à l'heure, il faudra voir me faire des excuses. T'as compris?
comme ça. Brute, macro, fripouille, charogne, si tu crois que je te ferai... Brute, macro, fripouille, raclure, rognure, terroriste, torgnole, courir, fenêtre, ouvrir, tartare, barbare, rhinocéros, crocodile, grand. Hé, hey, Capanel, c'est moi, ouvre. J'ai attrapé au ventre, on est venu le chercher pour l'emmener à l'hôpital. Ah, il manquait plus que ça. Ça boffa sempre in sozzerie. Carube, ghiande, torce di broccolo, giù. Tutto buono. Per forza. Oh, gliel'avrò detto 12 volte. Capanelle, fatti visitare. Tu nella panza c'hai una tribù di vermi solitari, niente. Io sti giorni sarò calato 10 kg. Oh, a te proprio non te ne frega un bene amato. Lui pensa a Carmela, hai capito? Ma se sei così feso da dare a Capanelle i calzoni con lo scontrino dentro. Zitto. Che te la rifai con noi? Ma cammina, va. Sono loro che vogliono parlare col 29. Parenti? Grazie, professore. No, veramente i parenti sono loro. Sono i nipoti. È un'indigestione, vero? Si potrebbe definire banalmente così, ma è anche la goccia che fa traboccare il vaso. Vostro nonno ha avuto una vitaccia e così ci è andato di mezzo il cuore. Ormai c'è poco da fare. Come poco da fare? Beh, facciamo un consulto, qualche cosa, che ne so. No, no, non badi all'aspetto, professore. I soldi li troviamo, no? Qualunque somma. È inutile, andate a salutarle molto tardi, ma ve lo permetto lo stesso. Ma non con quella faccia, Che lavandino che sei, capannuccio mio. Però già stai un fiore, no? Questo ci sotterra tutti qui. Fare il ritratto della salute. In ospedale c'ero già stato una volta, tanti anni fa, quando ero vecchio. Io ci sto bene. Quando viene suora Angelica ve la presento. Sì. È una simpaticona. Beh, meno male. Ma di la verità, che te sei scofanato, eh? Ah, antipasti misti, agnolotti, trippa, abbacchio, osso buco, zuppa di pesce, dolce, macedonia, caffè, liguorino, fagioli col tonno, servizio, pane coperto e vino, 7.750. E bossi. Hai fatto di nuovo il giochetto? Allora t'hanno denunciato. No, perché ho pagato. E i soldi, chi te li ha dati? Ah, i soldi? Ho trovato lo scontrino nel calzone di Peppe. Non ho saputo resistere alla tentazione. Ho ritirato la valigia e mi sono preso 10.000 lire. Oh, ma dove l'hai messa la valigia? Me la sono portata dietro. Sta sotto al letto. Oddio, mamma mia. Maresciallo, maresciallo. Mais qu'est-ce que vous me voulez, là? Bon dodo, tonton, bon dodo. Le docteur a dit que tu devais dormir de bonne heure. Quoi vous voulez, vous? Il faut dormir, ne discute pas, allons. Deuxième lit à gauche, le numéro 29. Bien, ma sœur, merci. Ah, vous vous connaissez? Je ne savais pas. Ben, à vrai dire, nous avons fait connaissance au commissariat l'autre jour. C'est juste une visite de courtoisie. Alors, on s'est offert encore un bon petit gueuleton? Et vous, monsieur l'inspecteur, vous vous êtes offert un petit déplacement inutile. Cette fois, je vais payer. C'est justement ce qui m'amène. Les 10 000 lires, où les as-tu prises? Je les ai trouvées. Ah, ne me dis pas que tu les as trouvées par terre, parce que cette fois-ci, je ne te crois plus. Non? Oh, non, laissez, je vous en prie, monsieur l'inspecteur. Il ne manquerait plus que ça. Pardon, excusez-moi. Merci. Je voulais vous demander... Pourquoi un citoyen comme Monsieur Capanel, ici présent, ne pourrait pas avoir à sa disposition une certaine somme? À la condition qu'un citoyen comme Monsieur Capanel soit en mesure de prouver comment il l'a gagné, lire par lire.
Bon, je veux bien, mais supposez qu'un jour, que par un coup de chance, le citoyen Capanel gagne au pronostic. Ça arrive. Ah oui, bien sûr, mais il faudra qu'il me donne le numéro de sa liste. Autrement, je conclurai que la somme en question vient bien des pronostics, mais sans que le citoyen ait joué. Et dans ce cas, je connais le pronostic des juges. Ce sera 13 ans pour vol à main armée. Alors, si tu as sur l'estomac quelque chose d'autre que ton gueuleton, fais-moi appeler, hein. Je reste en bas, après. Mon Dieu, quelle époque! De nos jours, on ne peut même plus se payer un petit repas sans avoir la police sur le dos. Et après, on vient vous parler de liberté. Ça va, ça va, ça va. Tu feras de la politique un autre jour. Pour le moment, nous avons un problème à résoudre. C'est d'embarquer la valise et en vitesse. C'est que s'il la trouve ici, on est fait comme des rats. Ah, oh, mais t'es malade, on ne peut pas se balader avec cette valise à travers l'hôpital. Et puis, vous oubliez qu'en bas, il y a l'autre. Mais non, je le sais. Toi, tu vas sortir le premier, faire le tour de l'hôpital et attendre sous le mur de l'autre côté. Moi, je vais lancer la valise à Hugo et lui te la repassera. T'as pigé? J'ai pigé. Alors, Capanel, ciao, hein? Ciao. Ciao. T'en fais pas, on viendra te voir bientôt, hein? Bien sûr. Et soigne-toi bien. Allez-vous-en, avant que l'autre me réplique. Ciao. Et puis surtout, hein? Ciao. Tiens bon l'abri de cavalier. Attends. Hein? Dépensez pas tout, hein? Gardez-moi ma part, hein? Parce que quand je sortirai, je ne veux plus être obligé de travailler. Et si je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je vous ferai? Des briques? T'en fais pas. On te la gardera. Allez, rétablis-toi vite. À bientôt. Mario, il y a trois heures, qu'est-ce que c'est? Chut, doucement. J'ai bien ramené Carmela à la maison, mais elle m'a flanqué dehors. Et tu te laissais faire? Je me suis informé. La majorité, effectivement, 18 ans, elle a donné droit à son indépendance. Elle a dit qu'elle ne veut plus nous voir et qu'elle ne nous ouvrira pas la porte aussi longtemps que nous n'aurons pas lavé nos mains du déshonneur. Et Capanel? C'est Hugo! Pas un peu de feu? Non, au plaisir, monsieur. Crénonde. Et la valise? Ce crétin de Minus d'andouille d'abruti de Hugo. Présent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu la valise où elle est? Allez, faut secouer l'arbre tous ensemble. Allez, lunettes. Allez, vas-y, mon Dieu. Elle a bougé. Ça va la voir. Elle bouge pas, elle est bien accrochée. Je vais y grimper, moi, à cet arbre. Oh, la vache. Si jamais j'y arriverai comme ça. Allez, faites-moi la courte échelle. Allez, aide-moi. Carabinier.
Allez, faut prendre l'air désinvolte. À saute mouton. Allez, hop, à moi, rentre la tête. Attention, attention, hop, et voilà. Et hop là, et hop là. Rentre ta tête. Eh ben, vous pouvez pas trouver un autre endroit pour jouer? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Comment, vous voyez pas où vous êtes? Hein? Et où on est? Et l'hôpital, alors? Ah, oh, faites excuse, on n'avait pas remarqué, vous voyez. Ça s'est trouvé allez, comme ça. Allez, amène-toi. Alors, si c'est pour malheureux. Il faut pas vous en vouloir, vous savez, on en a poussé trop vite. Bonsoir. Bonne promenade. Eh merde, tiens, j'en ai marre, vous me faites suer tout le temps que vous êtes. Vous m'entendez, moi j'en ai plein le dos. Toujours servir de bouc comme émissaire. Ne te fâche pas comme ça, Pépé, on y est pour rien. Ouais, tu parles, tiens. Il n'y a qu'à partager le magot, chacun son dû, et comme ça on n'en parlera plus, hein. Partager, non, mais vous êtes tombé sur la tête pour que l'un de vous fasse valser le fric, on se fait piquer tous les cinq. Et résultat, 13 ans. Irréfutable vérité. Eh, ça coule de source. Hein? Dans notre cas, l'expérience enseigne qu'un bien mal acquis doit être mis à l'abri de toute imprudence. Ça, c'est vrai, ouais. Bon, très bien, mais le comme t'as dit, là, qui le gardera? Ah non, en tout cas, moi, je suis suffisamment mouillé comme ça. Tiens, non, pense. Non, j'habite en sous-location. Ah, alors, tiens... Non, moi, à partir de ce soir, j'habite plus du tout. Alors, c'est forcément toi. Non. Allez, non. Prends-la, je te dis. Non. Bon, très bien. Ah. J'accepte, mais à une condition. Puisque c'est moi qui ai tout le risque, c'est moi qui aurai toute l'oseille. Oh, bah, t'as compris le truc? Alors, parce qu'il a la libye du gars qui le fait cocu? Ah, oh, bravo! À ta place, j'aurais honte. Pourquoi j'aurais honte? Mais alors, si vous aimez mieux partager, dites-le. Après tout, qu'il le garde et qu'il crève dessus. Tu veux que je te dise ce que t'es? Très juste, un thésauriseur, voilà. Et que ce soit bien clair, nous ne voulons plus rien avoir avec toi. Et je te dirais même mieux, nous ne te connaissons pas, nous ne t'avons jamais connu. Comme nous ne savons pas ton nom, nous allons t'en donner un. T'es qu'un Judas, t'entends? Judas! Iscariote! Tiens, des moutons. Hey, tu peux nous dire l'heure qu'il est? Ah, ça c'est précis. C'est donc l'heure de nous présenter à la maison le front rouge. Car de rechef, nous avons droit à la l'affection de Carmela. T'es pas de mon avis? Pour être franc avec vous, moi, l'affection de Carmela, au fond, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Un mot de plus et je te... Bon, enfin, tout compte fait, on a adopté la meilleure solution. Et même, je vous dirais mieux. Mettons que d'ici 6 mois, 1 an, quand tout sera oublié, on aille trouver Hugo et qu'on lui dise, dis donc, file-nous 2 ou 3 briques à chacun. Ben quoi, vous pensez qu'il nous les refusera? Il les donnera, oui. Hugo, maintenant, est tiré d'affaire, et comme c'est pas le mauvais cheval... Hein, qu'est-ce que vous en dites? Ce que je sais, moi, c'est loin d'être certain. Non, c'est certain, c'est plus que certain, c'est probable. Attendez-moi! Voilà, ça y est. Oh, et la valise? Affaire réglée. Comment réglée? Nous n'avons plus rien à craindre à présent. Ah, j'ai planqué le corps du délit sous un banc dans le square à côté, puis je suis allé au bar, j'ai téléphoné au commissariat, en mettant un mouchoir sur le micro pour me faire la voix anonyme, j'ai fourni les coordonnées et ni vu ni connu. Tu vas voir la coordonnée que je vais te balancer sur la gueule. Tu avais été complètement dingue, non? Mais qu'est-ce que t'as fait, là? Oh, mais il faudrait savoir ce que vous voulez, hein? Vous commencez par me faire une tête comme ça pour que j'apprenne. Je l'apprends, vous me traitez de Judas, et maintenant, c'est bien complètement dingue. Écoute, que je vais te balancer une coordonnée. Écoute-moi, bon Dieu, est-ce qu'au moins t'as pensé à prendre une coordonnée? Oui, non, puisque ça n'a jamais été convenu. Messieurs, hein? Courons. Où elle est? Là, dans le square, sous un banc. On va en récupérer une liasse par tête de pipe. Mais pas plus d'une, hein? Non. Allez, ouvre-la. Qu'est-ce qu'il y a à la clé, d'abord? La clé? Oui, la clé. Oh, non. C'est une... Allez, un couteau, vite. Passe-moi un couteau. Moi, j'ai une amulette en corail. Je vais te dire où, il faut que tu te la mettes, ton amulette en corail. Je sais. Aïe, c'est la police. La police. Il a fallu qu'il téléphone au commissariat le plus proche. C'est un imbécile. Tiens. Chauffard et graveur, ça se croit
ses fils à papa. Attends un peu qu'il y a un flic qui... Et il gueule par-dessus le marché. Vous n'avez pas vu les bandes jaunes? Quoi? Quelles bandes? Le passage pour les piétons. Vous êtes en contravention. Comment? Mais en contravention à cette heure-ci? Non, mais vous plaisantez. Il n'y a pas d'heure pour le code et je ne plaisante pas. Mais enfin, c'est pas vrai, quoi. Composition? Composition de quoi? Vous payez tout de suite? Comment payer? Mais payer quoi? Mais c'est le monde à l'envers, alors je manque de me faire écraser par-dessus le marché, faut encore que je paye? Mais arrêtez donc les voleurs et les assassins, au lieu de persécuter les honnêtes citoyens qui payent des impôts et respectent la loi. Ah! C'est 1000 lire, montrez-moi vos papiers. Hugo! Mario! Ferribotte! Tiens, et m'ont laissé tout seul, ces salauds-là, et sans un rond! Mm-hmm.